Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour continuer l'album photo vintage Naissance Fille. Donc aujourd'hui, je vous rappelle qu'on était à 6 pages. J'ai décidé d'arrêter parce que je pense qu'il y en a assez, surtout que du coup, sur la couverture arrière, je vais refaire une autre page, mais je vais la faire directement sur la structure. Donc en fait, aujourd'hui, on va faire la reliure et la structure. Donc, je vais juste vous rappeler les pages en gros. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, là, c'est quand même déjà épais. Voilà. Donc, je vais vous montrer la première page pour rappel. Hein, parce que, donc, hop, elle se présentait comme ceci. Donc, là, je suis venue faire une étiquette avec, vous savez, ce que j'ai gardé, là, des plaques embossées. Des classeurs embossage qui découpent. Voilà, donc je suis venue mettre un tampon. Il était une fois. J'ai mis de la dentelle dessous, bien sûr. Un petit camé que j'ai fait avec les perfos embossage, embossing, je sais plus comment on dit. Bon, bref, vous avez compris que je suis venue colorier autour. Voilà, pour le faire ressortir dans toutes les petites fleurs. Voilà, bon, en gros, hein, là, je suis venue mettre le prénom du papa, le prénom de la maman. Alors, c'est pas les mêmes, c'est fait exprès parce que je trouvais que c'est un homme, quoi. Donc, j'allais pas le mettre en truc dentelle comme ça. Donc, c'est Angélique et Sébastien. Voilà. Là, c'est pas vraiment collé, hein, on peut y mettre quand même un petit tag ou quelque chose. Donc, pareil, là, je suis revenue renforcer avec un aimant quand même. Là et là, là, j'ai mis une étiquette de chez Action, là, vous savez, vintage. Et là, un petit camé, pareil que de l'autre côté, petite fleur. Voilà. Là, j'ai rien fait à l'intérieur à cause des aimants, sinon ça va pas tenir. Donc voilà, là je suis juste venue mettre des petits tampons en attendant, juste sur le premier, parce qu'après il y aura les photos, donc voilà. Là, là, pareil. Bon, après il y a la cascade, hein, je ne vous la remontre pas, puisque on l'a déjà vue, revue. Là, sur les deux côtés, pareil, je suis venue mettre juste de la dentelle et un petit camé en papier. Là, pour le petit, non, en fait, c'est son grand frère. Donc, Nathan, je suis venue mettre une carte qui est de ce bloc-là. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Hop, si ça passe sous la caméra. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Ce bloc, il vient de Creative Hobby. Je l'adore. Bon, là, j'ai pas mis le lando parce que ça faisait trop gros. Et puis, peut-être que je le mettrai après sur la couverture. Donc, je verrai. Donc, voilà, là, c'est légèrement en relief, un petit peu. J'ai mis un peu de mousse. Donc, voilà. Là, c'est un mot baby. Bon, là, je vous montre pas. Hein, c'est la cascade. J'ai rien fait dedans pour le moment. Là, non plus. Pour le moment, j'ai laissé comme ça. Et là, je suis juste venue mettre le prénom de la petite, donc Noémie. Alors, j'ai pas pu faire les accents, par contre. On verra si j'y arrive après. Ça, je l'arrangerai après. Donc voilà. Hop. Hop. Alors, hop. C'est pas pratique parce que là, je suis à l'envers, du coup. Donc voilà. Après, quand on ouvrira, nous aurons son premier Noël, qui va se présenter comme ceci. Donc là, je vous rappelle, on avait fait la cascade. Voilà, les pochettes. En gros, là, la cascade qui se lève, le mécanisme. Et après, ça va se présenter comme ceci. Comme ceci. Mais ça, je vous l'avais montré déjà. Et puis, derrière, la dernière page que vous n'avez pas vue, presque finie. Voilà, donc là, je suis venue mettre les petits cœurs.
de la dentelle. Là, du coup, je suis venue mettre un tamponnage souvenir de famille. Voilà. Ça, c'est les tampons que j'ai achetés de Toga à Cultura. Bien sûr, je suis venue mettre de la dentelle. Là, j'ai rien fait, hein, puisque il est magnifique, ce papier. Voilà. Là, je suis venue faire un passant avec du papier. Et pareil, je suis venue faire un tamponnage. Ça, c'est les découpes qu'on récupère au milieu quand on fait ça, quoi, en fait. C'est les découpes. Voilà. Donc, oui, parce que là, j'ai dû rajouter des aimants pour que ça aimante bien. Donc, du coup, j'en ai profité pour mettre des jolies étiquettes avec des dentelles. J'espère que ça leur plaira. Là, je suis venue faire pareil de la dentelle avec des perles roses. Des petits embellissements. Là, un petit nœud. Bon, il y a des fils de colle encore partout. Un petit nœud avec une découpe en bois tétine. Donc là, j'ai rien fait parce que là, c'est magnifique. Là, j'ai mis des petits camis, des embellissements métal aussi. Donc là, pareil, dentelle rose avec les perles. Donc là, elle est large, elle bascule un peu sur le rebord. Voilà, c'est fait exprès. Là, petit bout de dentelle aussi. Là, après, hein, dedans, j'ai rien fait. Là, je suis venue mettre un aperon, faire un passant. J'ai mis un aperon au milieu, mais ça passera dessous, en fait. Voilà, avec un petit embellissement, parce que celui-là, je l'ai trouvé sympa. Ça fait un peu enfantin, donc c'est très bien. Avec un peu de dentelle, embellissement en bois, en haut et en bas. Voilà. Donc ça, c'est le derrière. Et donc, en fait, du coup, sur ma reliure, quand je vais faire la reliure, je vais laisser de l'espace, un peu plus d'espace, pour venir travailler une dernière page qui sera collée sur la couverture arrière. Donc, voilà. Alors, pour ma reliure, on va commencer par la reliure, parce qu'en fait, c'est en fonction pour la tranche. Je vais faire ma reliure et c'est après que je vais voir combien il me faut de tranches en largeur. Donc, je suis venue coller deux papiers A4. Donc, c'est du trophée ou pollen 210 g noir, bord à bord. Voilà. Donc, ça fait 21 de hauteur puisque mes pages font 21 de hauteur. Donc, moi, je décide de laisser 4 cm pour coller sur la couverture d'en haut, enfin, la première, quoi. Donc, je vais venir faire un trait à 4 cm. Après, j'ai mesuré à peu près l'espace de ma page, l'épaisseur de dessus de ma première page. Ça faisait entre 2 et 2,5. Donc, moi, j'ai décidé d'y mettre 3 cm. Donc, je refais un pli à 3 cm. Et puis après, je vais laisser un espace, comme j'ai déjà fait sur pas mal d'albums, pour que les pages soient un peu plus plates, s'ouvrent mieux. Je laisse 0,5 entre le bord de la page et le bord de la reliure. Donc, je viens faire un trait à 0,5. Puis après, je vais faire mes pages seront tenues sur 1,5 cm, donc je viens faire un trait à 1,5, puis encore à 1,5, et je relaisse les 0,5 d'espace, donc à 0,5. Donc je vous montre 4 cm, 3 cm. 0,5, 1,5, 1,5, 0,5. Et on continue. Ma page de Noël, ma double page, j'ai estimé que, en mesurant, ça faisait entre 1,5. Donc, je laisse 2 cm. Donc, je fais un pli à 2 cm. Ça, c'est l'espace entre mes deux pages. Et pareil, je reviens faire un pli
à 0,5. Puis à 1,5. Puis encore à 1,5. Et puis encore à 0,5. Ça fera la reliure pour ma deuxième page. Puis, j'ai mesuré. Et vu qu'elles sont épaisses, l'espace entre mes dernières pages, les deux dernières en fait, fait 4 cm, 4 cm et demi. Donc moi j'ai mis 5 cm. Donc je viens faire un pli à 0,5. Et là, on est reparti. On a fait à 5 cm. On fait un pli à 0,5, puis un pli à 1,5, puis encore à 0,5. Ouais, 1,5, 1,5 et 0,5. Et donc, j'ai estimé entre ma dernière page et la couverture que j'allais laisser un espace de 5 cm pour avoir de la place pour bien faire une dernière page, voilà, avec des rabats, des pochettes, peut-être une petite surprise dedans, je verrai si je peux. Bon, bref, voilà, j'ai compté 5 cm. Donc je reviens faire un pli à 5 cm et après ben, je laisse 4 cm pour recoller ma reliure à la couverture. Donc je refais un trait à 4 cm. Donc voilà ce que ça me donne. Donc là, je vais venir couper, puisque le reste, on n'en a pas besoin. Donc je viens couper. Ça, bien sûr, je le jette pas, on s'en servira plus tard. Et donc là, ben, on va venir marquer les plis. Donc ça va être ce qui va être collé sur la couverture. Là, ma dernière page. Alors attendez, oui, ça c'est ma dernière page. Donc je marque tous mes plis. Attendez, je fais des bêtises. Je ne les plie pas dans le bon sens en fait. Vous savez, je vous avais expliqué qu'il y avait un sens pour pas que le papier craquelle. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Donc les 0,5, vous n'êtes pas vraiment obligé de les marquer puisque de toute façon, on va le coller. Ça va être collé. Moi, je le marque parce que c'est plus facile. On n'est pas obligé non plus. On marque tous les plis. J'en suis où là? Non, c'est ça. Non, parce qu'en fait, je me suis un peu trompée en marquant les plis. Donc, du coup, je ne vais pas me tromper en le pliant. Alors là,
c'est un peu dur. Enfin, je force un peu parce que c'est du 210 grammes. Si vous le faites avec du 160 grammes, forcément, vous forcerez moins. Par contre, moi, je déconseille pour des albums comme ça de mettre du 160 grammes. Parce qu'il y a du poids sur les pages. Et donc voilà quoi. Ça risque de ne pas tenir. Après, c'est mon avis. Hein. Faites ce que vous voulez après. Moi, je vous montre comment je fais. Après. Et le dernier. Donc voilà ce que ça me donne. Donc une page, deux pages et trois pages. Si j'y arrive. Donc voilà mes trois pages qui seront comme ça. Donc ma première page, là il y aura la couverture, ma première page, ma deuxième page, ma troisième page, la couverture, et là il y aura la dernière page avec de l'espace quand même pour faire un petit truc sympa derrière. Voilà. Donc je vais venir coller mes pages. Alors je vais prendre du double face. Je vais en mettre. Donc comme je vous ai dit, je prends les 0,5. Voilà. Bon, je vais toutes les faire comme ça, ce sera fait. Je vais quand même rajouter de la colle hein, après dessus. C'est pour ça que là du coup je fais pas les deux. Et là j'allais faire la bêtise de pas prendre les 0,5, vous voyez. Après c'est pas grave parce que ça va se coller quand même hein, mais bon. Voilà, je viens juste un peu couper manière, mais de toute façon, on va le couper après le bout, donc c'est pas grave non plus. Donc voilà. Donc, je vais venir enlever ça. Hop, belle. Prenons ma colle. Et je vais venir mettre de la colle en renfort. En fait, c'est un renfort là, c'est comme ça. Donc, j'essaye que ça dépasse pas du bord là. Et donc là, je viens le coller. Bien sûr, je vais essuyer ce qui dépasse. Hein. Je viens replier et appuyer. Et je fais pareil pour l'autre côté. Comme ça, je suis sûre que c'est bien collé partout. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste venir mettre des petites pinces la manière. Mais bon, il n'y en a pas vraiment besoin là, en fait. Comme ça. Hop.
prunes au milieu. Mais après, là, c'est bien collé, ça a l'air bien. Hop. Et donc, ben, je fais pareil pour les autres pages. Donc, on y va. Toujours pareil. J'enlève la protection. Hop. Je renforce avec de la colle. Même si au final, ça ne bougerait pas si on le faisait qu'avec du double face. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, c'est quand même pas pour moi. C'est quand même une commande. Donc, je vais être sûre que ça tienne. Voilà. Donc, pareil. On vient. Alors, moi, je fais toujours comme ça. C'est plus facile. Pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, toujours pareil. Là, pareil, je viens appuyer de par l'intérieur. Là, ben, j'essuie, hein, forcément, puisque j'en mets partout. Et là, je viens faire exactement la même chose. Et pareil. Je vais venir mettre des pinces le temps que ça prenne bien, même si ça a déjà pris. Hop. Et hop. Donc voilà, ben j'ai plus que la dernière page à faire. Hop. Exactement pareil. Et donc, je viens le coller. J'y suis au passage. Et là, je fais exactement pareil que les autres. Je viens appuyer. Des deux côtés. Mais là, ça va être plus compliqué de l'autre côté, du coup. Parce que... Hop. Donc, j'ai plutôt le faire de ce côté-là. Donc, voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc pareil, je vais venir mettre les pinces. Et puis je vais attendre un petit peu que ça sèche bien quand même avant de continuer à la toucher dans tous les sens. Hop. Donc voilà. Ça, je vais mettre ça là. Et donc là, du coup, ça me permet de pouvoir mesurer ma largeur de la tranche. La reliure elle est prête, donc ma reliure va faire, enfin, ma tranche va faire 15 cm de large. Donc je vais couper une tranche de 15 cm de largeur. Donc voilà, donc je vais attendre un peu que ça sèche tout ça, puis on se retrouve après. Donc alors j'ai découpé des cartonnettes, alors c'est du 2 mm. Moi, je les achète sur Sister Scrap. C'est une petite boutique en ligne qui sont tenues par deux sœurs. Voilà. C'est le moins cher que j'ai trouvé. En plus, elles sont juste à côté de chez moi, du coup, donc c'est super. Du coup, je vais chercher directement là-bas. Donc, j'ai découpé alors un bout de cartonnette de 15 cm. Sur 24 de haut, ça c'est la tranche. Et ensuite j'ai découpé deux cartonnettes, donc de 24, puisque ce sera la hauteur de mon album, sur 25 de large.
Oui, de large. Donc, ça va venir se présenter comme ceci. Voilà. Pourquoi j'ai pris ces dimensions? Mes pages font 21 sur 24. J'aime bien laisser de la place, de l'espace. J'aime pas quand les pages arrivent juste pile poil à la bordure. Et en plus, si jamais on colle un tout petit peu de travers ou quoi, ça se verra pas. Voilà, et moi je trouve que c'est plus joli. Après, vous faites ce que vous voulez. Niveau mesure, vous vous adaptez bien à votre travail. Même si vous reproduisez le même que moi, si c'est pas dit des fois que vous tombiez sur le même, vérifiez vos mesures avant. Parce que voilà, des fois, on ne travaille pas pareil et du coup, des fois, c'est pas tout à fait pareil niveau mesure. Donc, moi, j'ai pris l'habitude pour aller droit de découper une bande de cartonnette de la hauteur. Enfin, non, du coup. Là, du coup, non, je suis pas droite. Donc, je vais couper. Mais bon, je me suis un peu trompée là pour le coup. Voilà. De 0,5 cm, oui, 0,5 cm, donc l'espace que je vais laisser entre les cartonnettes pour qu'il y ait une bonne ouverture et fermeture de l'album. Et donc de la hauteur, comme ça je suis bien droite. Voilà. Mais bon, ça c'est moi. Si vous savez aller droite et si vous faites comme vous avez l'habitude, moi je trouve que c'est plus facile comme ça maintenant. Donc voilà. Pour ça, je vais prendre du pollen. Alors, on va en prendre. Ça, je vais le mettre avec. Donc, je vais venir les coller à la suite, puisque c'est du A4. Donc, je vais prendre mon double face. Et je vais venir en coller quelques-unes à la suite. Je sais pas combien exactement, on va voir par rapport à la. De toute façon, du coup, vu que ma hauteur c'est 24, hein, du coup, je vais le prendre dans ce sens-là. Et je vais venir les coller comme ça. Parce que sinon, là, ça fait que 21, donc ça collera pas. Donc, je le colle. Donc, j'essaye d'être à peu près droite. J'ai dit j'essaye. Donc, là, on y va, et je continue. Donc, je me mets là. Bien au bord, ça aide pour aller droit. On appuie. Et on continue. Toujours pareil, bien droit. Alors là, je vais vérifier, mais je pense qu'il n'y en a pas assez, n'est-ce pas? Donc, je regarde, bien sûr qu'il va manquer. Voilà, donc je regarde et donc je vais en rajouter une. Voilà, donc en gros, pour la taille de mon album, il vous faudra coller 4 feuilles sur la largeur de 29 et demi ou 29,8. Je sais pas exactement combien ça fait. Donc, je rajoute la dernière. Je n'en avais pas sorti assez. Donc, j'en prends une autre. Et donc, hop, je viens la coller.
pareil à la suite, j'essaye d'aller droite. Et on colle. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais plus, j'ai plus qu'à venir coller mes cartonnettes. Alors, par contre, je vais m'arranger pour que mes collages là de papier arrivent au milieu, pas sur les rebords. Vous voyez, là, ça va arriver là, là, au milieu, et là, au milieu. Donc, ben ça, moi, je trouve que c'est important pour. Parce que si c'est sur les plis, c'est pas bon. Ça va pas tenir, ça va pas faire joli. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Donc, je vais chercher le gros double face super puissant et je reviens. Donc, alors, moi, je vais me servir de celui-là. C'est du 5 mm sur. Et il y en a 15 mètres. Donc, ça fait 10 cm. Je l'achète sur Creative Hobby. J'en avais pris l'autre fois et il colle super bien. Alors oui, il est un peu plus cher que les autres, mais au moins il colle super bien. Et je l'ai aussi en 65 mm, donc 10 cm et 6,5, c'est pareil. Là il y a 15 mètres et là aussi 15 mètres. Voilà, donc je vais me le mettre sur mes cartonnettes, excusez-moi. Donc, j'ai collé partout. Donc, je vais commencer ben, par la tranche, hein, puisque c'est celui que j'ai à la main, en fait. Donc, hop, je viens me caler à peu près droite. J'essaye d'être à peu près droite pour la suite, hein, sinon. Voilà, là je viens bien appuyer derrière. Là, je vais venir mettre mon petit bout de cartonnette de 0,5 bien collé et bien droite. Et donc là, je vais venir coller mon autre cartonnette à la suite. Comme ça, je suis sûre d'avoir le truc là. Hop. Hop. Et là, je me cale. Et je viens appuyer. J'enlève la cartonnette et j'ai les 0,5. Et normalement, si tout va bien, je suis droite. Donc là, pareil, je viens bien appuyer. Et je vais faire pareil ben, de l'autre côté, forcément. Donc je reprends ma cartonnette. Hop. Je prends l'autre cartonnette. Je fais attention de ne pas me tromper de mesure. Il y en a un qui fait 24 et l'autre 25, donc hop. Donc moi je les ai marqués, voyez là, je sais pas si vous le voyez, j'ai marqué les dimensions comme ça, mais je suis sûre de pas me tromper. Donc pareil, je viens me caler au bord, j'appuie pas de suite. Et là, on appuie. Je suis partie un peu en travers. Vous voyez là? Je suis partie en travers. Hop, là, j'enlève ma cartonnette. Et voilà. Donc, ben, pareil, hein, je vais appuyer. Et donc là, ben, je vais venir marquer les plis. Alors, pour marquer les plis, on fait comme ça. Et on vient appuyer.
donc on appuie bien sur les bords. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et pour le bord, là, moi, je fais comme ça. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être bien droite. Et là, comme ça, je suis sûre que c'est bien collé, là, et bien plié. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, je vais replier avec le pliant. Là, je vois que c'est pas marqué comme il faut. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ben ensuite, là, je vais venir coller le bord. Je vais venir couper avant. Donc je vais couper au cutter. Donc je coupe pas trop près du bord de la cartonnette, là du coin. Ça, je fais pareil à tous les angles. Hop. Donc voilà. Et là, ben, je vais venir mettre du double face et je vais venir renforcer avec de la colle. Voilà, c'est. Mais après, vous pouvez le faire pas la colle, vous le faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre les deux là. Donc, pour le double face, ben, je vais venir le coller au bord. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je vais déborder un petit peu quand même. Ouais. Mais alors, comment je vais faire ça? Je vais me caler comme ça. Parce qu'en fait, il est plus large. Mais comme je veux absolument mettre celui-là, du coup, voilà, là, je vais venir le couper. Et là, du coup, hop, je vais venir le découper. Hop. Ça, je le mets de côté, bien sûr, je ne le gâche pas. Là, et je vais venir appuyer bien fort partout, bien marqué. Surtout là, vous voyez que je suis allée un peu n'importe comment. Donc, j'appuie bien sur les bords. Là, je vais me mettre comme ça parce que c'est plus pratique pour moi. Ça, je vais le mettre de l'autre côté. Et donc là, je vais venir coller. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de colle pour renforcer. Mais alors là, ce serait presque inutile puisque
ce double face est quand même bien costaud. Il tient bien. Donc, c'est juste une précaution de plus. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Et donc là, je vais partir du bord. Et je vais venir, tout en appuyant sur le bord, le coller. Donc là, on rabat, on essuie. Donc là, je vois que la colle, elle ne veut pas trop tenir, donc je rajoute une pince. En attendant, pour être sûr que ça prenne bien. Et je continue ma longueur. Donc, j'appuie. On appuie bien sur les bords. Là, j'y ai marqué mon pli. Là aussi. Donc, on appuie bien partout. Là, je suis un peu quand même. Même si au final, ça se verra pas. Mais là, et j'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Je vais juste venir mettre une pince au cas où là. Mais bon, ça a l'air de bien tenir. Hein. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais venir reprendre mon double face de tout à l'heure. Et du coup, ça, je ressors. Alors, du coup, là, je me mets au bord parce que du coup, il n'y a pas assez de largeur. Mais c'est pas grave puisque je complète avec de la colle. Donc... Et comme j'ai pas été droite, du coup, c'est pour ça que ça fait ça. Là, je viens juste couper les angles, ce qui dépasse. Là, de l'autre côté, pareil. Hop. Je replie comme il faut les plis. Et là, on va faire pareil que tout à l'heure. Sauf que là, je vais les couper. J'ai coupé là ce qui n'est pas collé. Ce qui n'a pas besoin. Ça, poubelle. Hop. Et donc, et ben, on va faire pareil. Je vais venir décoller. Hop. Et mettre de la colle. Alors la colle, je la mets bien au bord, là, du coup. Et je la mets. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir prendre au milieu, coller le milieu et continuer. Et je fais ça sur toute la longueur. Je vérifie, tout est bien collé. Là, je mets juste les pinces par précaution, mais bon, il n'y en a pas besoin en fait. Hop. Hop. Et donc là, on va venir s'attaquer au côté.
Alors pareil, je vais prendre le double face. Je vais le couper quand même après. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Donc je vais venir mettre mon double face. Voilà, il est trop. Je vais couper un peu quand même. Donc je le coupe un peu. Hein. Il y a beaucoup trop de papier. Et donc là, je vais venir le coller aussi au bord. Il veut bien rester en place. Donc, je le colle. Hop, je le retourne. Je le coupe. Et je coupe les bords. Donc là, pareil, je vais venir rajouter de la colle, marquer mes angles d'abord. Donc, alors je viens avec l'ongle le rentrer, mais bon, comme d'habitude, il fait un peu loupé. Je viens mettre de la colle au bord, coller à la cartonnette, et puis j'en rajoute un petit peu partout, mais bon, pas besoin. Voilà. Et là, pareil, je viens appuyer, tenir au milieu, et puis après, je viens le pousser. Et je n'arriverai jamais à faire de jolis angles. Donc voilà, pareil, je mets des pinces, hein. Juste au cas où, le temps que ça prenne. Et je m'occupe de l'autre côté. Donc, pareil, là, je vais venir prendre l'autre bout. Je viens le coller. Là, je vois que ça se colle. Donc, je viens remettre des épingles. Et donc là, on coupe le surplus. Là, je coupe aussi, ça dépasse trop. Bien sûr, tout ça, on le garde, ça peut servir. Donc là, je rentre les angles. Hop. Là, je vais être obligée d'enlever les pinces, le temps de coller. Mais je les remettrai après. Et là, pareil, un petit coup de colle. Et pareil, on appuie. Et on plie. Et là, on remet les pinces pour être sûr que ça tienne bien. Voilà.